d'accord. Alors, Pierre Belmar, Boubal Musette, veut prendre la défense de son... Vous voulez prendre, en fait, la défense de Joey Starr, parce que j'avais pas mal compris, vous êtes contre Booba, hein, vous, hein. Enfin, je suis contre personne, vous savez, mais enfin, quand même. Voilà, quand ça, même, ça, ça vous même. Énerve. Je vais aider quand même Booba. Alors, vous voulez donc laisser un message à Booba. Oui. Vous voulez qu'on mette un petit beat derrière ou vous commencez comme ça? Je commence comme ça direct. Allez, c'est parti. Alors, yo, wesh ma gueule, hein? À tous les frérots en studio, en zonzon, hein? Quand ça sent le clash, Booba le musette sort son canon. Alors, envoie du son, t'entends? Hey Booba, je te parle, hein? Je te parle de Babou, arrête-moi! Qu'est-ce qui se passe, Tarba? Hein? Tu mets la zermie à mon photo, je veux. Mais tu veux quoi? Tu veux te péter? Man, pourquoi tu te vénères? T'as cru que j'avais pécho ta grand-mère? Joey Starr était déjà dans le terre-terre, toi t'étais encore dans les youkous de ton père! Alors, Scarla, cherche pas l'embrouille, hein? Zarma, t'es devenu sourd à force de te toucher la nouille, hein? Tu me fais tiep avec ta petite bouille. Je te rappelle que lorsque papy a la trique, c'est toujours toi qui bouille, hein? Mais au final, Boba, la fouine et les autres crevards en mode bogos, n'oubliez pas les bolosses de Miami à Biscarros, c'est Booba le musette qui reste le boss. Booba le musette. Booba le musette. Ah, il a calmé tout le monde. Ah, Booba le musette. C'est lui le patron. Ah, c'est lui le patron. Ah, ouais. C'est Booba le musette, hein, le patron. Ça y est, on l'a compris.